quelqu'un là en ligne, David. Oh. Oui, oui, attendez, attendez, attendez deux secondes. Il se passe des choses ici. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Allô, allô. Oui. Oui, bonsoir. J'ai appelé parce que j'avais une tendinite, ça fait plus de 2 semaines. Et là, pendant les enseignements, j'ai prié. Et là, j'ai vraiment reçu la guérison. J'ai pu poser ma main, faire des gestes que je ne pouvais pas du tout faire. Quoi. Je suis vraiment étonnée. Alléluia! Wow! Tu nous appelles d'où? De Moret, dans le 77, à côté de Fontainebleau. Fontainebleau, à côté de Fontainebleau. T'as plus de douleur, la maladie est partie? Plus de douleur. Je suis dépassée, je crois pas. Jésus. Attendez ça, c'est pas fini. Dieu me montre, il y a des guérisons chez les gens en cascade. Il y en a d'autres qui vont appeler là, qui vont appeler des guérisons. Là, je vous dis, en cascade. Laissez vos béquilles chez vous. Marchez au nom de Jésus. Vous qui êtes alité chez vous, qui suivez TV de ville, tout ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez-vous au nom de Jésus. Ça va appeler. Je vous dis, il se passe des choses. Elle est chez elle. Elle suivait le programme. Elle avait une maladie. Et là, guérie. Elle est tellement dépassée, étonnée qu'elle pleure. Vous avez vu? Elle n'est pas ici physiquement. Hein? C'est pour vous montrer que ce n'est pas nous qui guérissons les gens. Dieu est esprit. Je vous dis. Dieu est esprit. Vous voyez les sorciers? Vous avez vu, non? Ils se convertissent en cascade. Ils quittent l'enfer. C'est fini. Vous allez partir au ciel. Je proclame ça sur la vie des enfants de Dieu. Fini. Le péché, là, c'est derrière. En sortant d'ici, vous allez prendre une décision, une nouvelle décision. Sanctification plus. Tu es guéri? Hein? Viens. Ma soeur Marie-Thérèse, t'as vu comment tu brilles? Qu'est-ce que se passe? Ça va? Pendant quelqu'un que... dit à ton voisin, le réveil est là. Posez-moi la question, comment? Quelqu'un d'autre en ligne. Jesus. Hein? Est-ce que vous rendez compte de ce qui se passe? Non, mes amis, on peut même dormir ici des semaines et des semaines dans sa présence. Hein? Regardez. Jésus est là. Bonsoir. Hier, j'ai été à l'hôpital parce que j'avais une infection du poumon. C'est un frère qui est ici sûrement dans la salle qui m'a amené hier. J'étais vraiment pas bien. Et pendant que vous parlez, en fait, j'ai été guéri. Parce qu'en fait, j'avais fait un songe il y a 2 ans sur vous, en fait. Et je disais, et vous me disiez comme ça, comment que ce n'était pas vous qui touchez, mais que c'était la parole de Dieu, que le Saint-Esprit était partout derrière, devant toi et te suit. Et j'ai été guéri par la grâce de Dieu. Il y a le feu qui m'a saisi. Le Seigneur m'a renouvelé, le Seigneur. Jésus est là. Hein? Il est là. Le maître est là. Alléluia. Porte et levez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il est là. Oh!
Sainteté, dans sa grandeur, dans sa présence. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons te craindre. Nous voulons te remercier. Nous voulons te craindre, Seigneur Dieu. Nous nous inclinons dans ta présence parce que toi seul mérites la gloire, Jésus. Je t'en supplie, prends toute la gloire. Toutes les acclamations qu'il y a ici, prends-les, c'est pour toi. C'est pour toi, Seigneur. Qui descend, moi Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, descend. Il y a un fleuve de guérison, il y a un fleuve de délivrance. Il est là, il est saint. Une fleuve de guérison, Le maître est là. Papa, nous voulons t'adorer. Pour toute sa guérison. On nous a caché ta vérité. On nous a caché ces choses. Adonai, Elohim, El Elyon, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Comme les 24 anciens et les 4 êtres vivants, nous voulons faire partie de ces personnes et nous incliner devant ta grandeur. Car toi seul mérites l'adoration. Qui peut guérir comme ça? Qui peut nous démontrer sa puissance comme ça? Des gens qui sont à des kilomètres, tu les touches, tu les délivres. Ils quittent leur lit de mort. Ils se lèvent et ils marchent. Qui d'autre peut faire cela si ce n'est que toi? Le Seigneur dit, l'heure de la France a sonné. Les pécheurs viendront à lui. Nous avons une autre guérison au téléphone là. Vous avez vu, on assiste à ce réveil là. Ne passez pas à côté de ce réveil. Quelqu'un d'autre en ligne là.
Il y a deux personnes au télé, sur le portable et sur le fixe. Il y a une vague, le Seigneur a dit, de fleuves de guérison, de délivrance. Allô? Mes amis. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle de la Martinique, on suivait le direct. Et pendant la prière, en fait, j'ai reçu une guérison, j'ai senti une chaleur et le Seigneur m'a guéri. Tu appelles depuis la Martinique? Oui. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, guérison. Alléluia, gloire à Dieu. Wow. Quelqu'un d'autre, mais il y a une cascade, des guérisons en cascade. Comment? Allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, en fait, je voulais témoigner parce que j'avais du mal à aller sur la selle et donc. Je voulais témoigner parce que mon père m'a guéri de tout ça. Là, et tu non, es guéri, là, tu es guéri, là. Le Seigneur l'a guéri. Tu appelles d'où? De Niort. De Niort. Et là, t'as plus mal, là, c'est fini, c'est parti? Comment? Tu es guéri? Oui, je suis guéri de tout ça. J'étais tout le temps malade aussi, il m'a guéri. Gloire à Dieu. Je suis tout le temps dans sa parole et je voulais dire à mon père merci pour sa parole qu'il m'a gloire donné. Gloire à Dieu. Wow. Quelqu'un d'autre là? C'est. Regardez, il y a une personne là, Dieu me montre chez elle. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui sont connectés. Ce vent de réveil secoue des gens des maisons. Il y a une personne là qui a lité, qui a mal au dos, qui ne pouvait pas se lever. Lève-toi, au nom de Yeshua. Lève-toi, à l'instant même là. Lève-toi, au nom de Jésus de Nazareth. C'est réglé. Et appelle-nous. Le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un qui veut confesser son péché là, au téléphone. Quelqu'un qui veut quitter le péché là. Oh. Le Seigneur m'a dit en songe, vous allez vivre un réveil qui sera plus grand que celui de John Wesley. Et là, c'est que il m'a dit ça clairement, Dieu ne ment pas. Vous savez, à leur époque, il n'y avait pas le net comme nous là. Et là, ce feu la prend partout. Je vous dis là, ce ne sont que les prémices. vous voyez, c'est le feu. C'est le baptême de feu. Voyez, le baptême de feu. Voyez, le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le feu. C'est le feu. Voyez, Dieu prend les gens, il le met dans le feu. Dans le feu. Il y a des hommes qui ne vont plus reconnaître leurs femmes. Des femmes qui ne vont plus reconnaître leurs maris. C'est le feu. Des hommes de plus de 60 ans, 80 ans. Le feu. Le feu. Il y a des pasteurs qui ne manifestaient pas l'onction, qui vont commencer à manifester une onction. L'onction de miracle, de guérison, de délivrance. Terrible. C'est chaud, hein? Ouais. Ça brûle. Vous avez vu? C'est chaud, là. C'est des fleuves de feu. Des fleuves de feu. Je vous dis, c'est pas un jeu. Regardez, on a plusieurs téléphones, plusieurs personnes au téléphone. Je n'arrive même plus à parler tellement que le feu de Dieu, mes amis là. Oui, allô. Allô, bonjour, bonsoir. Allô. Allô. Oui, tu nous appelles d'où? Oui, j'appelle du 91. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé d'une délivrance au niveau de la cigarette ou de l'alcool. Je me suis sentie dans l'obligation de demander à mon mari de venir me délivrer. Et le Seigneur m'a donné la délivrance et m'a demandé de me repentir. Et lorsque mon mari a continué à prier pour moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « c'est fini ». Je remets gloire à Dieu, je remercie le Seigneur de m'avoir délivré. Waouh! Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe encore là? Là, on a d'autres personnes au téléphone. Là. Il se passe des choses. Là. Il se passe des choses.
Tu es dépassé par tout ce qui se passe là, par tout ce que Dieu fait là. Le feu, je vous dis, le feu continue là. Hein? Hein? Dieu me dit, l'ombre, votre ombre, vous allez voir ça. Vous avez vu? Le feu du réveil. Oh mon Dieu, les actes des chrétiens de l'an 2016. Le feu. Quelqu'un est en ligne. Voyez, Dieu fait ce qu'il veut. Nous venons dans sa présence. On veut s'arrêter. Il nous conduit autrement. Oui. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Je vous appelle parce que je suivais TV de vie étant chez moi. D'accord. D'habitude, je n'ai jamais vu ça. J'ai vomi pendant au moins une bonne dizaine de minutes. Je ne sais pas ce que j'ai vomi, mais je sais que j'ai bien vomi. Et je me sens bien. Un démon est sorti. Elle était chez elle. Elle est chez elle. Elle suivait le programme. Elle s'est mise à vomir. Waouh. On a d'autres personnes là? Seigneur. Au téléphone. Allô? Merci. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, tu nous appelles d'où? J'appelle d'Italie. D'Italie? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais confesser. Confesser quoi? Allô? Oui. Allô? Tu veux confesser quoi? Je voulais confesser la colère, le manque de pardon. J'ai des difficultés à pardonner malgré mes prières et tout. J'ai vraiment des difficultés à pardonner. Quand je pense que je l'ai fait, après je me retrouve à retourner encore. D'accord. Que Dieu soit béni. Merci. Allô? Bon courage. Oui. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. En fait, ce serait pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En fait, j'ai été délivrée samedi et j'ai décidé d'inviter une de mes amies à TV de vie. Malheureusement, ce matin, le diable a mis des embûches devant moi pour pas que j'y aille. Mais grâce à Dieu, on a réussi à l'avoir en direct. Et grâce à Dieu, on a été bénis, mais c'est une bénédiction. Il n'y a pas de nom exact pour cette bénédiction. Il n'y a pas de nom exact. Ah ben, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.